plus, ça ne peut plus durer comme ça. Parce que ça fait trop longtemps qu'on est attendu. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de changement. Tout est encore pareil. Et c'est même encore plus pire qu'avant. Il faut qu'il y arrête ça. On ne peut plus se laisser continuer. Ça ne peut plus se continuer. Nous, tout le monde ensemble. Jamais nous ne devons pas avoir n'importe quel truc. La police en va là. Amitié avec Jospin. Bon, Jospin la bat en retraite. Au moins, il y a parti juste à temps pour en profiter. Parce que par les temps qui courent, là, les incertains, Raffarin. Raffarin qui vient de la France d'en bas. Dans le fond, couverture marmite. Mon grand-père disait toujours, raque jamais le fond, ça fait monter la merde. Chirac a déclaré, la France, elle est constipée. Il me faut un Premier ministre capable de faire chier les Français. J'en ai un, Raffarin. Et voilà, la France est dans la merde. On a viré Jospin. On voulait un Premier ministre qui soit de taille. De taille. Eh bien, on est tombé pile dedans. La preuve que c'est de la merde, certains de nos hommes politiques refusent de mettre le nez dedans. Ils auraient pu essayer. D'ailleurs, dans les manifs, on les a pas beaucoup vus. Mais où sont passés nos hommes politiques? Disparus. Ils sont disparus. Raffarin. La pause et la question dit, mais monsieur Raffarin, d'où venez-vous? Qui, moi? De la France d'en bas. Mais que ça vous fait? Moi? Allez plus haut! La France est en colère sur tous les enseignants. Et ça rigole pas. L'intersyndicale a dit, il faut que nos enseignants retrouvent le sourire. Raffarin dit, pas de problème, je vais nommer un comique ministre de l'éducation nationale. Je connais un qui fait rire. Luc, tu seras ministre de l'éducation nationale. Tu pourrais faire rire. Bougla dit comme ça, ça sert à rien d'aller loin dans les études parce que la NPE n'est pas à la même. L'intersyndicale a dit, ok, tu veux bataille, on va se batailler.
Tu veux du sang? Ça finira par un ben sang. Tous dans la rue. On commence par la grève des fonctionnaires et des gens saignants. Tu veux du sang? Ok, faisons des groupes de sang. Les sans-papiers, les sans-cœur, les sans-pitié, les sans-guinéens, les cendriers, les cendrillons, sans tabou, sans DFM. Lavez jusqu'à les sans-mauvais. Dispersez-vous dans toute l'île, Saint-Pierre-Tampon, Saint-Joseph, Brapanon. Envoyez une centaine à la souris chaude. Ok, les sans-culottes, à la souris chaude. Les sans-emploi, monsieur le syndicat, ben, n'avez pas trop intéressé. La retraite n'intéresse pas, ça trop. Ça ne travaille pas. Bon, déjà, sans façon. Les sans-abri, ah non, pas les sans-abri. L'intersyndicale n'a plus de l'argent. Le règlement nous oblige à les mettre dans des abris de fortune. Et puis, c'est pas leur combat. Mais monsieur, ils sont nombreux, ils sont sans dessus-dessous. Ben, dis-le d'attendre, le vent tourne. S'ils ont de la veine, il y aura un vampire. Vous connaissez, dans une manifestation, on avait toute qualité manifestant. Toute, n'est peu, tu gagnes même pas lié à la sorte enseignant. Nous enfants, ça paye cher. Raffarin veut nous ruiner. Il veut nous ruiner. Mais on restera dans la rue. Même si on n'a plus rien. Même à poil. À 100%. On défilera sans chemise, sans pantalon. Raffarin a déclaré, dès mon arrivée, j'ai fait une analyse. La France va mal. Je rêve d'une belle France, d'une France qui brille. Mais ne vous inquiétez plus, je m'occupe de saboter. Pendant que les fainéants chantent, enfin les enseignants, enfin c'est pareil, c'est les mêmes. Pendant que les enseignants chantent « Travailler, c'est trop dur, et vieillir, c'est pas bon. » Raffarin dit « Travaillez plus, travaillez vieux, et vous aurez plus de retraite. Devenez les dinosaures de la France. Et je tiendrai mes promesses. » Un homme qui tient ses promesses est un homme dangereux. Exemple, Ben Laden. Le gouvernement va dans tous les sens. Pendant que Sarkozy lutte contre la prostitution en déclarant « Il est désormais interdit de se servir de son cul pour gagner de l'argent. » En tout cas, pas dans la rue. « Rentrez chez vous », a déclaré Raffarin. « Faites l'amour, c'est l'État qui paye. 800 euros par tête de pipe. » Liberté, égalité, maternité. Après l'annonce de Raffarin, les pharmaciens lancent une grande campagne de promotion sur les capotes et les stérilés. Ils sont devenus invendables. Par contre, Viagra, le prix la monte en flèche. Viagra, un cachet remboursé, 800 euros par l'État. Un vieux monsieur,
un vieux, un retraité. Lui, la dépasse 3 fois la dose prescrite. Ça l'a gagné, l'érection. Son vieux madame la saute pas au taille, la courrie. Le bouc, il peut que ça m'y fait que ça. Femme m'a dit, oh, vite la poêle plie, si vous nettoyez. T'es Luc Ferry, hein? Luc Ferry l'a dit. Parce que vous connaissez, il dit un tas d'affaires. Après, syndicat, il mêle. Après, il dit non, on l'a pas comme ça, on va réformer une autre façon. Il réforme un coup en bas, il a réformé en haut. Là, il a dit, les emplois jeunes pourront toujours compter sur leur mère. Et les atos de maman. Non, mais fini, un autre. Le bras droit de M. Raffarin s'appelle pas la rue. M. pas la rue, souvenez-vous, il a dit c'est pas la rue qui gouverne. Et là, l'État a mis l'accent sur l'économie. Ah, longtemps on avait le RMI, revenu minimum d'insertion. Maintenant c'est le RMA, rendre mon argent. Les jeunes sont entrés dans la danse, mais pas sur le même air. Eux, ils ne veulent ni du RMI, ni du RMA. Ils veulent du RMB. RMB, rende mon bulletin. Trop tard, déclaré Raffarin. Vous avez élu Chirac avec 82% des voix. Vous travaillerez jusqu'à 82 ans. À quoi bon être fonctionnaire si la paye un gros salaire? À quoi bon puis la réunion, la puis la prime d'éloignement? Quand m'y entend Raffarin, si la retraite ira le train, l'y va finir comme Jospin, n'aura plus un seul bulletin. Raffarin, Raffarin, gros l'éléphant nerf, Raffarin, la figure de pain, Raffarin. Sélection, n'est pas trop loin, comment se prépare ton délège? À toi avec Luc Ferry, prépare pour RMI. Ça va ni baisse la raquette avec moi. Il y aura moins un Jospin, nous va tout torche la montance. T'as voir si la ville est rose. Raffarin, Raffarin, gros l'éléphant nerf, Raffarin, la figure de paix, Raffarin. Pas même pas qu'on me donne rendez-vous chez l'autre tropical là. Ah, mon téléphone il vibre.
Allô? Huguette, au toi ma fille, non, là, pour qu'arriver au toi. Mais non, rendez-vous de pousser un queue, elle allait 10 heures pour qu'arriver. Mais m'attends donc un petit peu. Ben oui, elle m'a dit une affaire, reste à côté de la prise, mais tiens au courant. À tout à l'heure. Ça, Huguette, ça, t'es? Je m'habite au port, moi, au port. Dans la rouelle. Dans la rouelle port? Ça fait 10 ans que je m'habite au port. Et ça fait 10 ans que mon mari Patrick m'a quitté pour des raisons pénitentiaires. Je m'habite au port. Vous connaissez le port, quand même? Le port. Cette gentille petite ville baptisée le port si doux. Le port, ça m'aime. Mais juste avant de partir, mon mari Patrick m'a dit « Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans ?»« Dans la rouelle, le port. » Depuis, c'est devenu mon morceau préféré. Mais j'espère que je aduis, ça pas baise à moi, pas de cochon. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi les gens se quittent? Pourquoi? Pourquoi ce silence, comme dit Hervé Villard? Et pourtant, comme dit Charles Aznavour, Pat et Pat, ça sonnait bien? Patrick et Patricia. Les gens nous appelaient Pat et Pat. Mais même avec les deux pattes, le couple n'a pas marché. Quand je pense que pendant 10 ans, je l'ai tendu comme une conne, je me sens comme la reine des connes. D'ailleurs, de mon opéra, elle m'en royale conne. J'ai resté fidèle. J'ai resté fidèle comme Castro. J'ai resté fidèle comme les 10 doigts d'une main. J'ai eu 2 enfants, je sais pas comment. Et un soir, j'étais chez moi, tranquille. J'allume ma radio et là j'entends... C'était ça, chaleur tropicale. Ah, je dis moi aussi, je passe une annonce, n'importe quoi, j'ai le droit. De toute façon, on fait noir toute matin dans zèle blanc. Et je cours sur mon téléphone pour appeler. Il y a un monsieur qui laisse une annonce sur la radio Freedom. Une annonce. Il disait, homme cœur brisé, aimerait rencontrer une femme mûre, aimant la vie, sans attache, sans tabou, n'a le trou, boire de coutaille, m'a tout et tout et tout. Je dis, mon Dieu, c'est tout moi, ça, Patricia. Je saute sur mon téléphone et je laisse mes condoléances à l'antenne. Otto l'a jamais rappelé. Et puis un soir de pluie et de brouillard, t'as la pluie, te toche dehors, mon téléphone se mit à sonner. Je répondais. Et là, une voix me dit « Allô, ça Charles, ça ?» Je dis « Charles, quel Charles ?»« Devine ?» Je sais pas, je vois pas. Charles Aznavour ? Non, plus grand. Charles de Gaulle ? Non, plus grand. Mais vous connaissez pas, mais quel Charles ? Hein, Charles, attends, hein. Je me crasse. Mais dis-moi quel Charles il est avant moi. Charles, le manneux, la laisse l'annonce sur radio semaine dernière. Je dis Charles, le man, sacré Charles le man. Maintenant je te reconnais. Il voulait me voir tout de suite, je dis non.
nul ne sert de courir. Il vaut mieux arriver à point de celui qui l'aura. Je dis, commence un petit peu par te décrire. Eh ben, voilà, ouais. 1m113, 102 kilos. Un bel étalon. Bah oui, je peux déplacer, je peux recevoir. Pour toi, je n'ai qu'un seul regard. Un seul regard, pourquoi? Bah vu qu'on vendra. Entre nous, ce sera pathétique. Du pâté quoi? Pathétique. Ah, mais tu connais pas pâté là, mais tu connais pâté de foie, tout ça. Mais ben, lui est pas du tout comme Patrick, hein? Ah ben non, Patrick, c'est un petit cheveu frisé qui a un grand imperméable noir largué dessus. Disons Zorro. Zorro avec un épée fouette pu. Et puis, dis-moi comme ça, lui a gagné un gros chèque casino. Il me dit, ben fallait commencer par dire ça. Si tu m'avais dit ça en premier, ben les choses auraient été réglées. Je dis, bon, ben alors comment on fait pour le premier rendez-vous? Alors, moi, pour le premier rendez-vous, il me fait un endroit le point trop de monde, moi, ouais. Au moins, ben, je suis avec eux, ouais. Mais, ouais. Il passe à casserole tout de suite. Dès qu'il vient le rencontrer, il te fait cuire manger. Ben, il me dit, ben, où il veut? Moi, ben, dans nous rendez-vous devant le bureau au Fonds National Saint-Benoît. On n'aura pas trop de monde. Ah, bah réfléchis, je me dis, non, mais une affaire, Charles, mais pour faire un endroit plein de monde, mais maman, tu ne connais pas où deux gros mains pleines de doigts. Dis non, on veut mieux un endroit plein de monde, mais ben où il veut. Je ne sais pas, moi, donne-nous rendez-vous devant la CEDIC. Moi, là aussi, il y en a plein de monde. Je me dis, ben, je sais pas, mais quelle voiture tu as? Il y a moins. Moi, j'ai un Dina, moi. T'es un Dina? Moi, j'ai deux. Moi, j'ai un Dina avec un pick-up. Il m'a eu la chance, parce que pour le premier rendez-vous, il a nous cherché à moi en Dina. Mais comme il y a eu en Dina, il a mené à moi dîner. Heureusement, pas ni en pick-up. Et le lendemain, je descendis à mon rendez-vous. Et j'avais peur, je frissonnais, j'étais trempé. Mon cœur battait la chamade, j'avais peur à l'idée de tomber en face de mon bel étalon. Mon sang ne fit qu'un tour, un tour à la CEDIC. Connais comme elle a vu son figure, mon sang fait un deuxième tour dans l'autre sens. Mon soutien-gorge a dégrafé. Première fois, mais ouais, les talons, on se met bourri comment. J'avais envie de me courir. J'avais envie de me chier que ça. J'avais peur. Il m'a vu. Quand il m'a vu, il m'a dit, chez où? Je dis, non, non, non. Chez où? Allez, sois pas vache. C'est vous. T'es mis dans la pense le gros chèque casino. Ma la rend dans le malheureux Dina. T'es dans Dina là. T'es fait chaud. T'es fait chaud. L'autre de la miette volaille. L'autre de la miette volaille. Je dis, monsieur Charles, mettez un peu la clim. Il a allumé un petit ventilateur comme ça. Ce tableau de bord, je n'obligeais pas de mon figure devant, mais un petit peu devant. Et là, il dit, regarde-moi, dis-moi, on se fait la bise. Je dis, ben où? Vous connaissez sa figure avec tellement de boutons.
la place pour embrasser Pépu. Il dit, mon Dieu, où ça je suis? Où ça je suis? Une belle femme coquette comme moi. Mon Dieu, si mes copines me voient, c'est la mort. Sur son bras, c'était écrit, je suis né pour souffrir. Il dit, mon Dieu, où ça je suis? Côté, ça la met un espaciate. Le bel talon, t'es sorti dehors. Son talon, t'es tellement pété, t'es gagné cachette pièce à 1 € dedans. Dis, mon Dieu, mais où ça je suis? Où ça je suis? Connais, lui avait une mèche de cheveux. Il recouvrait la moitié de son visage pâle. Faisait peu, tu ressembles à Damo. Il va dire, garde-moi, il rit, toi. Vois, moi, là, moi, bouc bandé, bien sûr. Là, la chambre tombe chez moi, ouais. Parce qu'il y a un autre que ça, là. Vous l'avez vu, mon housse, dernier modèle, vient l'acheter, on me dit, là. De toute façon, moi, mardi, hein, assez que ça appartient, il croque la vie à pleines dents. Je dis, ben, allez, dentiste d'abord. Parce que les deux chicots restent à haut devant. Les chimiques, gagnent pas trop, qu'est-ce que m'a sucé. J'avais peur. J'avais peur. Je savais plus où me mettre. Je me dis, mon Dieu, allons au restaurant vite. Elle m'a dit, la calle au restaurant, il veut aller où là? Il me dit, allons au restaurant Fond National. On n'aura point d'autre, on n'aura point de monde. Elle m'a dit, connais un restaurant chic, un restaurant étoile. Il me dit, ben allons. Tu sais, le dîner a démarré, il a parti, il a pris chemin de la ville. Il a eu le malheur, baisse sa vie. Le vent l'a rentré comme ça, la lève, la mèche de cheveux en l'air. Tu sais, un petit maman, il était pas dit, maman, regarde, cocaïne! Il y avait un seul côté de Dieu. C'est pour ça, il y a dit, mais pour toi, je n'ai qu'un seul regard. Il y avait un seul côté de Dieu. J'avais peur. Le tout l'a roulé, où t'es qu'arrive au restaurant. Soit le restaurant étoile. Soit le restaurant étoile. J'avais 1 étoile, t'es pendu qu'un fil. Dis quoi, c'est soit ton restaurant étoile? Ah, moi non! Non, maman a 32 étoiles, mais l'UDF pas branche tout. Tu me dis, allons, allons rentrer. Dis-moi quoi, me dis, Charles, allons dire nos chandelles. Me dis, au moins, une petite lumière tamisée, mes copines, au moins, on a moins de chance, ils voient moins, ouais. La rentre dans le restaurant chandelle avec 3 bougies par table. Me dis, serveur, pour nous mettez une seule bougie? Je dis, à quoi ça bougie? Gratte le beau, il m'a payé. À quoi un seul bougie? Même 3 bougies, donc. Ah, baisse pas un peu, donc. Ah, ah, kakimo, qui quoi? Mène-moi 3 bougies, donc. Dis non, je veux que ce soit que moi qui vois tes yeux. Enfin, ton œil. T'es ça, quand l'assise dans le restaurant, ça la fait honte à moi. Ça l'a fait honte à moi. T'es, me dit, où son boyau, t'es tellement gros. Fallait 2 chaises qu'on avait lui assise. Déjà, elle a commencé. Là, tout le monde commence à garder, côté de monde la réunion, comment il est. Ça, pourquoi on a fait le jet viré-tu, garde à où? T'es, quand Charles l'a assise, ça l'a baisé, coupette. La thé, elle a tremblé 3 bassins. Vous connaissez, ça l'a baisé, notre coup de pète, toute bougie l'éteint dans le restaurant. Mais madame l'a crié, vive le marié! J'avais honte, j'avais honte. Charles la mange vite, l'a tranglé. C'est avait à la nuit à battre dans son dos, lui a crachaté, elle a cassé un carreau. Dis mon Dieu, où ça je suis? Où ça je suis?
J'avais honte. À un moment donné, j'ai jeté quand même. L'argent, la valeur, mais il a des limites quand même. Charles, mais tu vois, franchement, moi, non. Monte à mon chèque casino. Monte à moi, mais on peut plus. Tu la monte à moi le chèque, il a gagné un bon d'achat 15 euros casino. Salut les mannes, tu vois? Comment il est? Moi, il est pété! Moi, il est comme la mer, moi, il est démonté, tu vois? Alors, ça, on a parti à une petite soirée Rasta, tu vois? C'est bonne Rasta aux oreilles. T'es bonne, elle est dangereuse! On est plein de sang. Il avait toute qualité Rasta, on avait jusqu'à Rasta chinois. Non. Premier femme, moi, ça moi un Rasta chinois, t'es allé marcher. Et les gars, tu vois, nous, ben, le vrai Rasta comme moi, tu vois, c'est pas moi que nous dit, tu vois. Ah, c'est tes oreilles que dit vois-tu. Arrête de déconner, les affaires passent pas, tu vois. C'est pas moi, si me dis, comment il est, vois-tu. Déconner donc. Les affaires passent pas du tout, du tout. Avec toute qualité Rasta, Rasta queer, Rasta le rond, Rasta farin. Elle avait jusqu'à un petit Rasta. Rasta, t'es petit. Petit Rasta, non? Ça doit avoir Rasta, non? Dis, mais non, t'es ou pas sa race Nati Baby? Dès que mal arrivé, mal râlé, pétard, les gars! T'es médiaté à prendre la Gad Star Academy. Toute la soirée, moi t'es comme nos loin, moi t'es cassé. T'es connu. Petit l'ambiance, t'es bon, tu vois. Mettre un petit musique cool, tu vois. Une petite musique pour mettre le corps dans les affaires, tu vois. Mais un petit musique Jean-Pierre Boyer. Ben, t'es conne, si tu. Pour les quelle musique la mettre? Tu refais les oreilles, ton corps n'est pas pareil, ton sang mélangé. Ben, dis-tu, les gars, tiens, ça, tu. Fais pas ce mon effet. Mettez une petite musique, c'est pas moi, tu vois. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le pétard à ton voisin. Un peu comme ça, hein? T'es le gars, il avait un Rasta mal bas, tu vois. T'es balayé avec des codes oreilleux. Rasta mal bas, mais t'es. Premièrement, hein, les plans de le décor, tu vois. Décor, t'es comme ça, toi, t'es rouge, vert, jaune. Toutes les affaires, t'es rouge, vert, jaune. Les assiettes, t'es rouge, le vert, t'es jaune, tu fais ça des blés. Tu vois, balayé plan, aïe, 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 il faut pas comme ça. Plante le décor, tu vois. Alors, décor planté, n'a un Rasta quoi, soit là-bas, t'es. Galamene, pétard. Prends-toi ton bonheur. Galamene, pétard. T'es pas rien, gros andouille sec. T'es 16 ans, douille, ça non. T'es un pétard, même bon. T'es pétard, t'es tellement gros. Si la table avait un petit bol, dedans avait vaseline. T'es obligé de prendre vaseline, faut que tu la lèves pour faire rentrer le pétard. Dis, comment il appelle pétard là? Dis-moi, ça s'appelle pétard sodomie.
Rasta Malba, parole qui pète, qui gagne, tu vois, gala, saute la petite démène. Puis Rasta Malba, la fume ça, je fais la maille. Dites les gars, que ça met là, dondon. Ah, excusez-moi, la donne a l'effet bœuf. On a les malicieux. On a les malicieux. Après, il y avait un rasta prête. T'es tout qu'il y a du rasta, rasta prêté. Rasta, il fait la croix, signe de croix, après il fume. Première fois, moi, sans moi, t'es le gars. Fais honte la nation. Ah ah ah. Rasta prête, là, me dit mon père, fume ça, wawa, bon Dieu de près. Rasta dit, si wawa, bon Dieu, mon fils, amène ici, alléluia. Ça l'a râlé, un coup, là, dit, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Jésus, cause créole. Jésus, t'es un réunionnais. Ah, bon, les fait bon, là, hein? Ah, dis-moi, on a retrouvé le nom de famille de Jésus. Il s'appelle le bon. Le bon Dieu. Montenez, tu vois? Regardez, un gars mystique, où ça sort? Bougla, la fume, le JV à l'envers, par le phare 404 ponts. Dis que ça se sent. Ah, dis-moi, ça, Léon, ça. Ah, mais tu veux que ça arrive à l'île, il est camé. Il est camé, Léon. Mon Dieu, mes gardiens, écoute dans la pénombre, tu vois. Mais où est un rasta? On dirait ma fumée, son figuier quelque part, tu vois. Moi, si mon effet est bon. Ah, dis-moi, tu le reconnais pas? Il me dit non. Dis-moi, c'est Rasta Koun. Il dit Rasta Koun. Dis-moi, ouais, t'es Rasta Koun, t'es les gars. Rasta Koun a mené un pétage de l'an chinois. La fumée, les fait monte tout de suite, la voix change le nom, la plaine des cafons. C'est un gros l'effet, hein? Mais il avait toute qualité rasta, mais dans une réunion rasta, première fois, moi, autant de rasta, c'est un mètre carré. Ah, ah, ah! Mais chacun, tu vois, dans le mouvement, sur le lettre d'invitation, t'es écrit, chacun amène un effet, tu vois. Il avait un rasta docteur. À mon avis, docteur, que ça l'amène où? Dis-moi, m'en amène l'effet ralgon. De ma vie. Lida-moi la roue. Comme un citron et machine. Saleté que j'aime. Non, on m'a pas dit chante, on m'a dit chanter. J'y connais. On
on choisit pas sa famille. On choisit ses amis. Sauf dans notre famille, il choisit la famille. Mon grand-père marié avec mon grand-mère. Mon maman marié avec mon papa. Mon ma tante avec mon tonton. Mon cousin avec mon cousine. Allez. Moi, m'a dit, si un jour, je me marie, je vais marier avec un monde étranger. Moi, je déconne. Moi, je suis né d'une famille pauvre. Pauvre, alors. Vous connaissez, mon maman me rappelle, m'a avec 15 jours. Mon maman garde moi et dit, mon enfant, mais elle n'a plus rien. Même mon tété, les 7 plus rien. En plus, il plaît à ce monde. Dis, mon enfant, il plaît à pas quand il pas tété. Tiens, moi, de nuit, je m'étais fatigué, si tu étais sec. Ma garde, maman, dis, maman, on veut mieux donner à moi de monde. Quand il pimentait. Dans la cage, tu retiens qu'un bon. Maman, besoin la non d'une journal, donne aux enfants qu'un bon. Personne ne l'a pas voulu. Un soir, maman arrivé, la dépose à moins que le banc tout devant cage un monde n'a pas couru. Dis tout maman. Tout mon maman. Tu l'enquête mon maman. Moi pas. Je m'habite dans un quartier pauvre, mais déjà, normalement, là, à moins que deuxième garçon, moi, le 29 ans, l'autre, mon frère, là, il appelle César. Il appelle César parce que mon moi fait un césarienne. À maman, il a chance, moi. Normalement, il devait sortir par le siège, moi. Mais maman, t'es constipé. Hein? Ben, ouais? Ben. Il habite dans un quartier pauvre. Papa, t'es péché. Quand il te la pêche, chaque fois qu'il te ça va, maman, t'es gardé, il te dit pauvre péché. Quand il arrive, nous tout est quoi si son tante pour fouiller pas, tu gardes sa poisson là, il est, oh, qui un gier poisson, quoi. Hein. Maman te dit, ça, papa, il pêche poisson pané. J'ai fait pitié, non putain, quand tu es pauvre, mais pauvre, là, tellement pauvre. Le chien, le chat, on ne pas même casser. Si la rentrée, il sort de n'a rien que la peau, le chien ne mange pas. C'est pas parce qu'il ne trouve pas ça bon. Non, c'est parce que bonnes oreilles appellent ça la peau du cabot. Les délicats, ouais. Ah. Ah. Non. J'ai fait une goutte petit berger allemand frisot. Quoi ce petit berger là, ça y frite bien là, oui. Sauf roqué, ah roqué. C'est un race créole, mais allez. Ma coupe un rouquet en quatre, ma mette bouillie dans le seau, ma crache son tête avec un pilon. Quand ma met la bouillie, rouquet, ben wouh! Wouh! Je dis, moi, pas ça, moi, t'es l'ensoleil, ouais! Saute dans mon ventre, il mord mon trip, j'en bouillon! Tiens, ça le prisonné! Me dis pas, arrête roquer là, j'te la viande d'une qualité. J'te roque vélé à 29 ans. Elle est bon là, que ça sert.
J'avais un chien qui s'appelle Médor. Un coup, il tellement qui, et puis rien, papa, du coup, mon rondin. Ben, rôti le chien, au finisher avec la béchamel. Vous connaissez, quand on attrape le premier cuisse, la maman mangé, moi, je vous ai dit, il me dit, Médor, si tu es là où tu es régal. Pauvre papa, jamais gagné rien, même pain conservé. Rien. Et encore, là, pour la chance, vous connaissez, dernier coup, papa, tu vois, film La planète des singes. Quand il rentre dans la salle, il vous dit, monsieur, les acteurs, c'est de l'autre côté. Papa jamais gagne rien. Le seul coup, papa adore l'hôtel dans son vie, il adore l'hôtel de police. En plus là, il y a ton mec infâme, mon maman. Il n'y a pas eu trop la chance aussi. Soit la gueule de maman. Son gueule, il y a de maman. Peut-être, eh ben, femme. Un coup, papa dit, elle prend pleine place dans ma vie. Hein. Ouais, dans la case aussi. Vous connaissez, mon moment n'est pas été un merde. Plate comme le nez Raffarin. Son tété était tellement plate que te mettre soutien-gorge, on dirait un pansement. Il y avait dents tous les 15 cm. Quand il était ri, on dirait son lente en prison. D'un coup, papa tente cause avec le voisin. Moi, le voisin explique à papa qu'il a fait l'accident l'auto et a bague le sauveur. Il a bague. Tout c'est un nénène à la fin. Moi, j'ai bois un coup avant des autres sauveurs. Ah, et chien. Ça fait du bien par où ça passe. Lendemain soir, papa a dit à nous l'école qu'un bel oreiller m'a réussi volant. Je dis, papa, quoi c'est ça? Il m'a saillé à bague. Il dit, encore mettre pas un traversin derrière. Ah, les marchés, papa. Un soir, un voleur rentre dans la cage. Pendant 17 ans, le voleur a une affaire pour voler, pas trouver. Ah, vous savez, on sait! Voler, ça vient toute la carte, pas trop rien pour voler des. M'en laver honte, moi t'as envie de suicide, mon papa. Je dis, mais c'est pas possible, t'es! Je dis, monsieur, garde, viens! Voler, parti, la batte la porte, moi! Normalement, un voleur, quand il vient voler, il fait pas des ordres. Là, il bat la porte de la partie. Hein. Quand il arrive en l'air, il dit, t'es non, t'es un grand voleur, c'est uniquement, il faut me trouver un feu pour lui. Là, il sonne. Déjà, t'en as rodé. Sa vie à moquette. Tout est à flex, tout est à tête, rien à rien, vous ne l'avez pas trouvé voler. À un moment donné, la rage, il dit, il a fait chier frotti, mon moment, parti avec. Ouais, quand la rue dans la lumière, les frottis, on les a regardés, dit non, t'es là, ramené. Elle dit, mon monté, ça là, c'est pas moi. Ça, ils sont tous les mois, ça. Ah, nous t'es fait pitié, qu'on se veut dire. Nous t'es misère, mais attention, hein. Nous avons chacun nous de somme. À papa, t'es tiens, ce que chacun nous sommes ensemble à la maison. Nous t'es dehors dans la chambre vélo. Papa là, et puis l'argent, il y a 200 villes autour. Enfin, il y a 100 pour un chaîne stéréo. Après ça, le soir, il était monte, son travail monte.
un gros lunette noire sur son yeux. En montant, il te chante « On va semer, on va semer, mon diopé, Gilbert monte à pied. » Un coup, il me rappelle, il était tellement qui et puis rien, rien. Il était fan de Radio Freedom pour gagner mon dernier affaire. Maman, tu avais l'être commandé. Mais tu vois, papa dit non, il ne laissera pas lui faire, il faut lui aller voir le maire. Ben, j'ai carré en montant voir le maire. Alors il avait dit, monsieur le maire, si vous êtes là, c'est grâce aux fruits de notre travail. Toutes mes enfants la votent pour vous. Donne une affaire, s'il te plaît. Le maire dit, c'est le fruit. Attends un instant. La partie derrière, t'as fait un 15 ananas Victoria. La donne papa, dit, c'est un wicked. Moi, je fais bien que le rhum zanana. Un coup, papa a gagné un contrat à CES, l'hôpital Saint-Isanne. Le soir, elle rentre la case avec un tonne de la viande froide. Au moins 30 kilos de la viande froide. Là, la molle, la viande. Le matin, midi et soir, la viande te donne voisin. Voisin fait la queue devant la porte bien trappée. Bonne crève, hein. L'entendu, qui te connaît pas, nous? Mange la viande, là. Mange notre viande. Bonne manger à la viande. Jusqu'à temps, à un moment, la râle, un bout de congé de la terre, se veut l'arrête dans la mer. Je dis, mais c'est en face, notre papa, il travaille la morgue. Tes poumons nous te semblables. On m'a que t'es bon. Nous t'es tellement au kiff, oui, 2 millions, t'arrives à la cage. Papa tombe bien malade. Un coup, il te boit à ce moment-là, papa. Tu n'as rien comme moi, tu bois pas la cage. Papa, tu bois bien, hein? Papa, tu bois tellement, quand il est mort, il a gagné un bouquet de cirrhose. Un coup, la cage n'aura de fête Halloween. Halloween. M'a gagné un masque Jean-Pierre Boyer, tout le monde a couru. Après ça, RMI est débarqué, RMI. Avec RMI, nous passons de très pauvre à pauvre. Ah, quoi, pas plus, c'est que ça? Ah non! Papa, tu me donnes crédit, mon âme. Avec son RMI, tu me donnes crédit. Un coup de vie, la pub, le bonheur est dans le pré. Y a pas qui fait le prix. Pas tout fait le prix, tu dois les yeux de la tête. La tête, les yeux, le foie de tes doigts. Qui doit me doter? La banque, ben, elle t'appelle une sale traînée. Ouais, parce que son compte en banque, t'es pareil, la mère, elle avait des reflets d'argent. Toki, toki. Tellement qui, je m'en dis, ça a pu la banque, lui. Mais je crois que ça a pu, papa, je m'en dis, moi, catholique, moi. Il me dit, ah bon? Je m'en dis, ouais. Vous connaissez pas que ça, bon Dieu, il a dit, bon Dieu. Il dit non, comme ça, bon Dieu dit. Bon Dieu dit, va où tu veux, meurs où tu dois. Moi, j'ai eu dans mon malheur, moi, pour un petit tantine. Un tantine qui habite Saint-Pierre. Il s'appelle Natacha. Natacha Saint-Pierre. Mais seulement, tu vois, moi, pas été trop correct, tu vois, maman, tu as rien fait, la chic, moi. Ça m'a fait un petit morceau pour lui, pour l'affaire, pour Natacha Saint-Pierre. Mais bon, je sens qu'on est un petit coup, parce que c'est ça l'occasion de m'en avoir un peu. Après, quand il peut voir un maître, parce que là, santé. Mais Pauline, quand tu as fait une bite, tu bouches la bouteille. Et envoyé un petit morceau.
Natacha Saint-Pierre. Comme tout le monde, j'ai des défauts. Le rhum charrette, je te toche trop. Et si tu baisais tout chez moi, tu trouveras dans mon living bouteilles de rhum, les en building. Il y en a d'autres en les à la moi. Mais ça, je ramasse pour le soir. Et si je crève avec la bile, tu trouveras dans mon maison tout ce que j'ai pas osé te dire. Tu trouveras sur l'étagère mes livres, la fesse, celle que je lis avant dodo, les photos mon bonne maîtresse, avec un tas de photos la peau. J'ai tellement peur de mon y trouve. Il dit que j'en ai beaucoup trop, mais c'est rien. Pense à toi, pense à toi. Allez, marche, Natacha. C'est vrai que nous avons la chance quand même, la Réunion. Hein. Nous habitons pratiquement entre le ciel et l'eau. Oui, le soleil toute l'année, les oiseaux, moineaux. Mais tu vois, dans tout ça, nous avons quand même affaire à Jeanne à moi. Ça, ce syndrome gouillave de France, là. Tout ça qui sort en France, les plus gros, les plus longs, les plus roses, les plus épais. Ça, là. Il dit pas toute la merde sort là-bas, il vient ici, ce monde. Ah, ça, il dit pas. Non. Le Pen. Marima. La ménopause. T'es une vite mon arcoise, moi, il vient. Ça, ils sortent là-bas aussi, ça. On entend la réunion sur le vieux GSMT, Sonda, salut. Gros téléphone, les affaires, gagne pas même ça. Mais oui, fécondation in vitro. Longtemps pour faire enfant, là, il fallait un boug, un femme. Combien là, non? J'ai le boug, allez marcher. Non, encore dans le frigidaire. Ben oui, maintenant il fait des enfants avec des paillettes de sperme. Il a des paillettes dans la salle. Parce que grave bien les paillettes que les patrons qui s'achètent papa. Hein. Peut être moins. Peut être madame là. Non. Monsieur là plutôt. Quoi que vous mettez là, vous connaissez pire. Tellement d'affaires, yahoo. Ben oui. Et vous croyez que la fini dans non? Non, elle n'a pas fini. Il fait que commencer. Il y a encore plein d'affaires qui sortent là-bas en France, il vient là. Nena, regarde l'euro. L'euro, où c'est sorti ça? Sorte là-bas! Longtemps, la Réunion, on avait le franc. L'euro, nous n'avait point. Nous avait l'euro. Pardon, hein? Ça, nous l'avait. Longtemps, Créole, t'es rentré à la boutique, dis, donne-moi un franc de pain, un franc de beurre. Combien, donne-moi un euro de pain, qu'un euro de beurre. Gagne, mettre un euro confiture dedans. Quand ça fait quoi, ce qu'on met là? Allez, fais petit peu par petit peu. Petit peu par petit peu. Parce que si combien il fait 2 euros. Mais imagine si il fait combien il fait 3000 euros. Autant vomir chez le caissier, fini ça. Mais c'est pour ça, c'est, tout ça c'est soit en France. La vache folle. La vache folle. Longtemps, la Réunion n'avait pas la vache folle.
Où t'es monte la plaine des cafes, là, nous demande vache, ah là là. Ah là là. Gros, comme ça, marché, de gagner pas le voyant, comme la montée, quoi, les voir. Ça, ils sont en France. Oui. Combien coûte une bouteille de gaz de nos jours? Une bouteille de gaz. Combien coûte? 20 euros. Qui dit mieux? Ah, parce qu'elle est à la tête, hein? Soulez un peu les affaires. Affaires ou 19 euros? Moi, combien vous faites? 40 euros. Non, mais voici, continue comme ça, là, nous va retourner dans l'ancien temps. Nous va faire cuire manger sur feu de bois. Nous va frotte galer à 100 poilumes de feu. Après, on a fait comme Gramoun Lélé. Naman dinosa, dinosa, dinosa. Wadouloudoudou malélé. Oui. Voyons, hein. Voyons. Longtemps, la Réunion, on l'avait point voyant. Non. Vous l'avez sorcier. Gratet, chibwa, galipin, giralin, giralin, pat. Fini. Terminé. Maintenant, on est là, marabout. Diseuse de bonne aventure. Voyons. L'autre jour, je mets mon journal, je mets pour 50 euros, je te dis tout ce que tu as besoin de savoir. Je connais mon meule comme ça, où ça a mis sa croise à faire comme ça. Mais bon, pour 50 euros, je dis, on a des affaires, besoin de connaître. C'est pas moi ici. Soute madame, il trompe pas où. Faut connaître pourquoi qu'elle est après. Il voit. Me dit bon, allez. Me arrive là-bas, car le vaillant me coin. Toc, toc, toc. Et moi, qui c'est? C'est pas moi. Tu me vois, pardon. La vie sort de la case en là-bas, mi vient là, mi con, il vous connaît pas chez moi. Mais quand tu voyant, où est où? Moi, un baiser de 50 euros. Je ne suis pas la mienne toujours. Non, non, non. Alors, quand ça fait, hein, la publicité. Ah, la publicité. Voilà autre chose. Longtemps, on te regardait un film dans la télé là. Où t'es tranquille, où t'apprécies, où tu filmes, tu vois, on regarde ça bien à la fin. Bon, on a dormi, c'est fini, tout ça. Comme là, mon homme, regarde un film, un petit bout de film. Vois quand la pub commence, là. Allez, lave plus blanc que blanc. Limonade soda, coca, acheter l'enquête. C'est pas abonné ou à nous dans la télé. What? Ton coup de madame dit pas, ah ben non, c'était ça demain. Y arrête pas, mes deux heures. T'allais prendre un paquet de biscuits, deux bouteilles de malade, un stylo que tu n'as. Midi à où on a le temps levé, fait qu'il mangeait pour le lendemain midi. Allez, t'es pas à maman à l'école, je suis arrivé en retard, retourner, la pub même allait là. Mais fatigué, mon madame là, il a s'est influencé par la pub incroyable. Tous les jours, il appelle à moi son portable là. Allô, devine d'où je t'appelle. Je m'en fous, moi, devine combien il coûte. L'autre jour, il est devant moi, dis-moi. Moi, je vois la vie en orange et toi, dis-moi, ta facture arrive à rouge. Mais il y a toute qualité publicité. Anna, elle m'a vu dans la télé l'autre jour. Là. Il faut me mettre la pause pour faire ça. Pour que je prenne la pause. Tu vois bien là-bas là? Des fois, le soir, je prends un verre. C'est pas beaucoup, mais ça détend. Ben, ta mère, si tu crois que la rare. Moi aussi, mon amour, version. Des fois, le soir, mes langues, elles le rompent. Il n'est pas bon, mais pas cher.
Si t'as au pouvoir pour ça faire au moins. Bon, moi non, m'a levé m'a juste boire 2 litres de rhum, c'est tout. Vous comprends? Mon dame, ça fait tout ça, là, ils sont en France, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Regarde l'histoire, les oreilles dehors, tout ça, là. Moi, il me dit, arrête avec tout ça, fou là là, ça, les vieux. De toute façon, ces oreilles, ça va qu'il n'a plus personne dans la réunion. Arrête avec ça, fais ton oreille dedans, allez. Comment malgache tout bien. Viens, non, pour la place. Maori, tout ça, par là-bas, viens, jeune. La réunion des grands pays d'accueil, viens. Plus là de fou, plus ni rigole. De toute façon, il ne sert plus à rien, dit tout ça. L'autre jour, j'ai bataillé avec un oreille. Dans la colère, je lui ai dit, retourne dans ton pays. Le bouc la partie Saint-Gilles. Il n'y a plus rien. Il n'est pas fini l'autre jour. L'autre jour, il avait des affaires. Miro, mon journal, Miwa, semaine prochaine, il y a la journée de la femme. Comme si ils avaient besoin d'une journée. Je... Dis mon Dieu, donne à Zot, n'a bien la fête tombe. Je suis cette île. Pas le droit de dire rien tout de suite. Plaisante. Ça, ils sont en France, hein? Sur le 20 journée de la femme, la réunion longtemps où? Tiens. T'es quand même l'a dit, bien, rouvre mon journal. Le lendemain, que ça m'y voit, la semaine ensuite, il fait une journée sans tabac. Non, quand même, non, trop c'est trop. Il faut bonnes affaires en France, il faut caler, il faut pas arriver ici. Nous, pour nous, ça l'est dangereux, ça, une journée comme ça. Mon Dieu. Nous sommes malheureux. Nous, pour nous, c'est une journée morte. Il va? Et puis nous posons une question, dis mon Dieu, comment une femme fait pour pisser? Mais ça fait des quêtes quand même! Ben oui! Et puis qu'on regarde bien finalement, que ça la France n'est en plus que nous. Quoi? Dis à moi ça, je ne connais pas. De ça quoi il est? Ça fait un tour Eiffel ça? Mon matin, t'en as où là-dessus? Voilà. C'est un camarade de moi qui s'appelle Blin. Yves l'a fait ça. Vous voulez des merdes? Ouais. 53 ans fait ça. Non mais il est vrai que ça bon un an plus que nous. Zona la neige, nous n'a frigidaire. Zona Maradona, nous n'a marapuldo. Si la guerre éclate, zona hélicoptère, nous n'a héliwaro. Zona génialité. Miam Zatu. La vérité sort de la bouche de... Non, on est un peu enfant, on peut pas dire quand même. Ah, des femmes. Ah, on applaudit les femmes, s'il vous plaît. Et si seulement c'était vrai. Non, mais vraiment que ce sont en plus que nous encore, c'est pas moi. M'y vois pas. Sauf peut-être la langue créole à l'école. Ah, ça, il faut pas trop tarder pour mettre ça. Nous avons grand besoin, ça.
Ah oui, ça. Mon monté, mon fait un enfant, comme il a. Mais tu peux dans le ventre de mon nous cause créole. Mettre la langue créole, quoi, à quoi, même. Mettre une langue étrangère, c'est pas moi. Irakien. On dit pas comment. Il dit, ben, moi, il pète nous comprend quoi il dit. Oui, regarde vous regardez bas, que j'ai l'autre joueur, il fait une bombe dans l'hôtel, pas quoi là. Non, pas ce ligado, on lui prévient, oui, ça fait pète toute tête, t'es là. Ah, on regarde, elle dit, ah, bah oui, enchanté. Eh ben. Ah bon? Eh ben, chapeau. La langue créole, quoi fait que ça? Pardon, s'il vous plaît, déjà nous on met à des causes français, la langue il maille. Après on a où la langue créole? Et là, mon âme, dit pas rien. Puis le mal créole, comment il est? Mon Dieu Seigneur. Ben, moi, mes camarades, la ville de Chaloupe Saint-Leu, là, sont une vieille madame. Son garçon, là, gagne un contrat. Et comment il appelle ça, la bibidome, là? Enfin, comme là, il dit ça, la mobilité. Depuis la guimbe, elle monte à la creuse, ah ben là, là, sans le nom. Mais c'est le même merde, hein? Ah, pareil. Pareil. Bonnet blanc, blanc bonnet. Alors, le boucle gain contrat, la mobilité. Et vous connaissez, quand elle est comme ça là, il est envoyé en formation. Comme il a point oui, point non, envoyé en formation. Ah oui, toutes affaires, on ne connaît plus rien. Toutes faut s'informer. T'as l'air marcher, gain pis. On a où? Tu marches, tu mets un pied comme ça. Attention, tu perds l'équilibre. Tu mets le pied. Tu... Arrête de déconner. Alors, le bouc, ils sont en formation, et vous connaissez, en formation, où ils mélangent avec tout, tu vois, la bonne oreille, créole, tout ça. Et le petit marma ici, il connaît. Créole, il est comme ça. Il renie son racine, il est à certains endroits là. Il a honte, créole. Moi, pas honte, merde, moi, qu'il a zétitimi mon trousse. Et alors? Non, mais j'ai remarqué, il y a deux, trois créoles qui arrivent en parmi, là. C'est quoi, c'est pas créole, du tout, à peine s'y comprend. C'est quoi, créole, les gars, là? Ah ouais, d'accord. Ah bon? Tiens ton langue derrière les roses pareil la mienne. Et facile remarque un créole, la langue plus longue. Oui, il a dit la fée. Alors, m'y préviens ça tout de suite, la mienne, le jump party m'a fait couper un bout. Donc, alors le bouc, il vient, là, il commence avec son petit camarade, de pas, il arrive un peu timide, tu connais, il adapte doucement, il dit pas, il maille un peu. Après, mon arbre, il a fait comprendre le mouvement aussi, mon arbre, lui, le choix. C'est lui le chef après. Là, il connaît tout mieux que tout le monde. Là, il cause, ouais, tu sais, ouais. Mais quand il remonte la chaloupe là-haut, là, il arrive là où ça a poule, il fait comme matin. Son gros creole, il a pointe. Mort mais appelez-moi. Mais ça part là-bas devant sur mon camarade Gobarma, il dit, oh, tu pourrais m'emmener une tasse de lait? De lait. Et puis de lait, c'est de lait. Elle est crève, oui. Mais voilà, allez où ça vous veut là. Ou Trachine, il rattrape, ah oui. Fais comme vous voulez. Ah, son petit langue là, son langue rose, il tourne bien, tu vois, mon camarade là. Ah, je tue moi, tu tue il, tout ça, ouais. Mais le moment, grand-mère Capeline en là-bas, lui, quand il y a 100 yannouas, le garçon en formation, ça n'a pas pour cause française, hein. Marco! Des merdes, au moment où il s'est monté, le cas a monté. Marco, la honte, il quoi qu'à pas. Son bon camarade, il voit pas. Fin fait la formation, Marco, il s'en en France. Il arrive, Gilo, vous connaissez, là, le papa, le maman, le ma tante, le tonton, ce qu'a le chien, tout devient même Marco. Quand Marco arrive, Gilo, là, la honte, ça l'a gagné, son maman, Marco, mon petit pipe, maman. Mon petit pipe, bro.
quand ils savent qu'ils aillent de manger quelque chose d'air. Marco, mère, maman, tout mon film galon. Mère. Tout mon film galon. Marco, Marco. Où ça va, Marco? T'es Marco, la rentre dans l'avion, là. La ménage pilote pour décolle vite. Décolle qui a la clé. Chose, hein. L'avion, il monte la tête Marco par les bleus. Marco, mon Dieu, Marco, mon boulou. Vous les baisez. Marco parti, Mouna. 3 mois après, Marco l'a nié. L'a nié. Le moment là, il s'est arrangé, elle, pour causer un peu français aussi. L'enlève son capeline. Ben, j'ai un couche rouge à lèvres, jusqu'à sous le dent, l'avion. Dès que Marco l'a posé, puis je... Marco! Marco, le fils à sa maman! Marco! Mon petit pénis! Marco a un mot créole, il cause plus aussi. Marco leur répond, il dit, mère, si tu pleures, je ressava. Mesdames et messieurs, merci. Et je vais vous présenter celui qui m'a aidé à écrire ce spectacle, monsieur Dominique de Pieretti, qui est là. Plus connu sous le nom de Tommy. Voilà. On va aussi remercier le son, la technique, les lumières, le son, ça a été magnifique. Et surtout, on va remercier le super public que j'ai eu ce soir. Bouh ! Mesdames et messieurs, bonne soirée, à une prochaine fois.